9. On est de retour avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous avons décidé de jeter un coup d'œil aux plus petits animaux que nous pouvons trouver sur cette planète et qui peuvent vivre avec nous à la maison. Ainsi donc, nettoyez leur terrarium et réglez le chauffage car aujourd'hui voici les 10 plus petits animaux de compagnie que vous pouvez avoir. Le combattant. Ce poisson est extrêmement agressif avec n'importe quel autre poisson, y compris ceux de sa propre espèce. Il est donc recommandé d'avoir un seul combattant. Et c'est là où on peut voir les qualités de cet animal. Il n'a besoin de presque rien. Votre combattant sera heureux dans un petit aquarium à peine plus grand que lui, avec peu d'eau et un peu de nourriture de temps à autre. En outre, ces poissons n'aiment pas trop bouger. Ils resteront calmes presque toute la journée, ce qui signifie qu'ils consomment peu d'énergie et mettent plus de temps à souiller leur eau. Il est donc facile de les rendre heureux, facile de nettoyer leur aquarium et facile de les nourrir. Le seul problème, c'est qu'il est également facile de les fâcher. Le Bernard l'Ermite. Voici maintenant le Bernard l'Ermite. C'est un animal que vous aviez certainement pas imaginé voir dans cette vidéo. Eh bien, le Bernard l'Ermite est non seulement drôle et actif, mais il peut aussi vivre jusqu'à 30 ans. De plus, il est facile d'en prendre soin. Il peut vivre dans l'eau douce ou salée, et vous pouvez le nourrir avec des noix ou des haricots, ou même avec des fruits de temps à autre. Le Bernard l'Ermite est un petit animal sympathique en bien des abords. Il est toujours rigolo de le voir déambuler sur la plage avec sa drôle de coquille dépareillée sur le dos. La majeure partie des personnes possédant un ou plusieurs Bernard l'Ermite les ont commandés par internet. Ils sont livrés par la poste dans de petits colis spécialement étudiés pour leur transport. On conseille généralement de ne pas les laisser seuls et d'en posséder au moins 4, car ce sont des animaux qui vivent naturellement en collectivité. Tant que votre Bernard l'Ermite a des rochers pour grimper et du sable humide pour creuser, il pourra être heureux dans un terrarium ordinaire et vous le verrez faire des bêtises là durant les après-midi. La tortue à oreilles rouges. De manière générale, les tortues ont été, durant des décennies, des animaux de compagnie populaires. Or, il existe une espèce en particulier qui l'emporte largement sur les autres. La tortue à oreilles rouges est la préférée dans les animaleries du monde entier, et ce pour son important régime alimentaire, sa longue espérance de vie et son bon tempérament. Par ailleurs, c'est l'une des espèces de tortues les plus attirantes visuellement. Ses couleurs vives et ses grands yeux la rendent plus populaire que les autres espèces. D'autre part, elle aime autant l'eau que la terre. Ses habitats paraissent ainsi toujours plus intéressants et plus attrayants que ceux d'un animal de compagnie en moyenne. La gamme barbue. Certains d'entre vous sont peut-être fanatiques des reptiles, mais vous savez bien qu'il est impossible d'avoir un crocodile à la maison. Un agame barbu, en revanche, pourquoi pas? En fait, ces animaux sont de plus en plus populaires car ils sont petits et qu'il est facile de prendre soin d'eux et leur entretien n'est pas si compliqué et coûteux. Originaires d'Australie, ils vivent entre 6 et 8 ans. Ces petites créatures, bien que compliquées à caresser, ne tapisseront pas toutes vos maisons de poils, ça au moins c'est sûr. La moufette. La moufette est une petite créature très exotique et unique. Comme le putois, elle émet des odeurs particulièrement fétides lorsqu'elle est énervée ou qu'elle se sent menacée. Et c'est pour cette raison qu'il est assez compliqué de l'adopter à la maison. De fait, afin de la garder heureuse, il vaut mieux lui rendre visite dans son habitat naturel et sauvage. Sans oublier que les moufettes sont actuellement en danger d'extinction à cause de la destruction de leur habitat naturel. Le phalanger volant. Cet adorable petit animal de compagnie est en train de gagner rapidement en popularité en raison de son apparence amicale et du faible niveau de soins qu'il nécessite. Les phalangers volants ou planeurs de sucre doivent leur nom au fait qu'ils adorent manger des choses sucrées. Ils sont également essentiellement nocturnes et arboricoles, ce qui signifie qu'ils ne font pas grand-chose durant la journée et préfèrent toujours grimper à un endroit haut. Les phalangers volants sont aussi des omnivores et ce sont des animaux très propres, car ils passent une bonne partie de la journée à nettoyer leur pelage pour pouvoir planer facilement dans l'air. Les malins. La pieuvre Octopus Wolfie. Voici un petit animal marin devenu également très populaire pour son adorable apparence. La pieuvre Wolfie vit dans les eaux peu profondes de l'océan Pacifique, surtout à l'ouest. C'est la plus petite espèce de pieuvre connue, et outre sa taille, sa principale caractéristique réside dans les marques qu'elle possède au niveau des pointes de tentacules. La pieuvre Octopus Wolfie grandit jusqu'à atteindre 2,5 cm et pèse moins d'un gramme. Si par pur hasard vous plongez dans l'eau de l'Indo-Pacifique où elle vit naturellement, vous pourrez la voir à une profondeur d'entre 3 et 30 mètres. La souris. Eh oui, les souris sont de bons animaux de compagnie et il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Les souris sont très intelligentes, propres et amicales. Elles répondent à leur nom et vous pouvez même leur apprendre plein de choses, leur faire des câlins et les caresser comme s'il s'agissait de chats ou de chiens. De plus, elles font partie des animaux dont on peut s'occuper le plus facilement. Elles sont très résistantes à diverses températures et conditions et peuvent pratiquement manger n'importe quoi. Mieux encore, elles ne sont pas bourrées de maladies comme on le pense. Si votre souris vit dans un environnement sain et si elle est vaccinée, elle ne sera quasi jamais porteuse d'aucune maladie. L'Artémie. Le vrai nom de ces petits animaux est Artemia salina.
Il s'agit d'une sorte de crevette minuscule qui possède un super pouvoir très impressionnant. Dans la nature, ces animaux peuvent se trouver dans un état d'hibernation à l'intérieur de leurs œufs si les conditions de leur milieu ne sont pas propices pour leur survie. Elles peuvent rester dans cet état-là jusqu'à 2 ans. Dès que les conditions redeviennent adéquates, les œufs reprennent vie et éclosent. Ceci en a fait des animaux de compagnie très populaires depuis leur découverte dans les années 60 et ils le sont toujours jusqu'à nos jours. Le scorpion Microtitius minimus. Eh bien, voici l'une de ces créatures qui possède un nom parfaitement intuitif. Le Microtitius minimus est la plus petite espèce de scorpion qui existe. C'est aussi l'un des plus petits arachnides de la planète, ce qui devient une arme à double tranchant lorsqu'il s'agit de s'en occuper. D'une part, il n'a pas besoin d'un très grand habitat pour vivre et vous n'allez pas faire faillite en lui achetant de la nourriture, mais d'autre part, cet animal est tellement petit et fragile que si vous ne le manipulez pas doucement, vous risquez de le blesser gravement ou même le tuer par accident. Le chinchilla. C'est l'un des rongeurs les plus adorables qui existent sur Terre, et cela en raison de son doux pelage moelleux. La plupart des animaux possèdent un poil dans chaque follicule pileux. À part le chinchilla qui peut avoir jusqu'à 80 poils par follicule, ce qui lui donne un pelage qui peut être 80 fois plus doux que celui d'un chat. Disons-le comme ça, il s'agit d'une sorte de superbe peluche vivante. Malheureusement, cela amène les gens à les élever pour vendre leur peau. Toutefois, si vous décidez de sauver un chinchilla de ce cruel destin, je vous promets que vous aurez un ami doux et affectueux qui pourra vous tenir compagnie pendant plus de 20 ans. La tarentule. Si vous êtes un amateur de sensations fortes et que vous aimez sentir le danger, alors cette araignée pourrait devenir votre meilleur ami. Plutôt à leur place dans la liste des animaux de compagnie les plus insolites du monde, depuis quelques années, les tarentules sont devenues des animaux de compagnie particulièrement populaires, malgré la peur qu'elles suscitent souvent. Les tarentules mangent certes des insectes vivants, mais elles sont plutôt tranquilles et calmes. Si vous voulez cohabiter avec elles, renseignez-vous et faites en sorte de lui apporter la nourriture nécessaire pour qu'elle vive dans les meilleures conditions possibles. Le hérisson. Eh oui, le hérisson fait partie des animaux de compagnie les plus insolites et les plus petits du monde. Ce sont des amours, et aussi bizarre que cela puisse paraître, ils font de super animaux domestiques. Si vous les habituez au contact humain et à sa présence, alors ils deviennent de petites créatures très affectueuses. Il suffit de les regarder dans les yeux pour fondre totalement. En plus, lorsqu'ils sont contents, ils sont très doux au toucher, leurs piques ne sont plus dangereuses du tout et très faciles à entretenir. Si jamais vous décidez d'adopter un hérisson, il sera fondamental d'avoir en tête tout ce dont il a besoin, puisqu'au début, il aura encore des instincts sauvages. Sa popularité en tant qu'animal de compagnie a grimpé en flèche ces dernières années, l'éloignant peu à peu de son habitat naturel et de son lieu d'origine. Cette domestication évolutive a modifié ses habitudes et malheureusement, certaines espèces de hérissons se retrouvent aujourd'hui en voie d'extinction, comme le hérisson pygmée d'Afrique. Le phasme. Qu'y a-t-il de plus insolite que d'avoir un phasme comme animal de compagnie? Cet insecte est parfait pour les personnes excentriques au goût bien particulier. Ce ne sont clairement pas les animaux les plus chaleureux du monde, mais ils font quand même partie des plus intéressants. Bien que ces soins soient relativement faciles à combler et que les enfants peuvent apprendre à en prendre soin simplement, il est important d'avoir bien en tête que le corps de cet insecte est très sensible et qu'il peut se briser très rapidement si on le manipule avec brutalité. Le gecko. Ce reptile est resté dans l'imagination populaire au cours de ces 30 dernières années, que ce soit en tant que mascotte d'une compagnie d'assurance ou comme le personnage principal d'une franchise de jeux vidéo, à juste titre. En effet, le gecko est non seulement un animal amical dont on peut s'occuper facilement, mais il possède également des doigts arrondis, des dents minuscules et des yeux énormes et tendres de surcroît. Tout ceci lui donne l'aspect d'un personnage de dessin animé dans la vie réelle. Si vous adoptez un gecko comme animal de compagnie, vous devrez le nourrir de vers et de grillons et toujours garder de l'eau fraîche dans son terrarium. Si vous faites tout correctement, vous pouvez espérer le garder jusqu'à 20 ans. Et bien voilà, une nouvelle vidéo qui touche à sa fin, et celle-ci nous donne envie d'avoir de l'argent pour posséder une grande maison et la remplir de petits animaux de compagnie. N'oubliez pas de dire dans les commentaires lequel avez-vous préféré parmi tous ces animaux de compagnie, ou lequel possédez-vous si vous en avez un. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!